Le 22 mai 1818, sur ordonnance royale de Louis XVIII, est née la première caisse d'épargne. C'en est fini du bas de laine. On va déposer de l'argent sur un compte et l'on sera rémunéré pour ça. L'article 1 de ces statuts originels, la caisse d'épargne est destinée, hein, dit-on, aux cultivateurs, aux ouvriers, aux artisans, aux domestiques et aux personnes industrieuses et économes. Ah ben c'est une nouveauté radicale. C'est la seule possibilité pour non seulement des gens modestes, mais également des gens qui auraient des revenus moyens, de pouvoir déposer leur argent, leur épargne, où que ce soit. Non seulement elle est en sécurité, mais en plus elle peut rapporter. C'est-à-dire vous participez à une sorte d'effort national et en même temps, vous allez en avoir des fruits, des bénéfices. À l'origine de la création de la Caisse d'épargne, une idée issue du siècle des Lumières, la philanthropie. La philanthropie, c'est l'idée finalement très simple que la richesse n'est pas simplement le lieu d'un privilège, mais qu'elle est aussi le lieu d'une responsabilité, d'une obligation morale. Nous sommes là dans l'immédiat héritage des Lumières. Il s'agit d'aider les indigents et surtout, n'oublions jamais cette dimension-là, il s'agit de les rendre vertueux. L'idée qui était à l'origine de la Caisse d'épargne était une idée assez intelligente, c'était que les gens pauvres dilapident leur petit salaire dans l'alcool essentiellement. Et pour éviter ce genre de dérive, on leur demande donc de mettre chaque mois quelques sous qui serviront de caisse d'amortissement lorsque les temps seront devenus plus durs. Deux hommes sont à l'initiative de la création de la première caisse. Deux figures majeures de la finance. François de la Rochefoucauld-Liancourt et Benjamin de Lesserre. Benjamin de Lesserre, c'est l'espèce de protestant extrêmement éclairé qui touche à tout, qui est à la fois un scientifique, un mathématicien. Il connaît aussi extrêmement bien les évangiles, il connaît très bien la littérature ancienne. C'est un homme éclairé. Avant d'avoir créé la Caisse d'épargne, Benjamin de Lesserre a été reconnu comme un industriel inventif à une période cruciale de notre histoire. Il va transformer la betterave en sucre au moment justement du blocus continental et des guerres napoléoniennes. La France ne peut plus s'approvisionner en sucre de canne. Et de Lesserre va mettre au point l'extraction du sucre de la betterave. On va donc fabriquer un nouveau sucre industriel qui d'une part dessert l'étau du blocus et qui d'autre part va permettre de transformer complètement ce qu'on appellera plus tard l'industrie agroalimentaire. Napoléon vient visiter la manufacture à Passy des Lesserres et tellement émerveillé par cette invention, Napoléon aurait décroché sa propre Légion d'honneur pour l'accrocher à Benjamin des Lesserres. Citoyens de Lesserres, en reconnaissance, la France vous fait chevalier de la Légion d'honneur. Non seulement en 1812, Napoléon fait de Benjamin de Lesserres un des membres éminents de la Légion d'honneur, mais il lui donne sa propre décoration. François de la Rochefoucauld-Liancourt, l'autre créateur, est un aristocrate qui a vécu les moments forts de la Révolution française. Nous sommes le 14 juillet 1789. Très tard dans la soirée, le duc de Liancourt apprend la prise de la Bastille, l'insurrection du peuple de Paris. Il va réveiller le roi très tôt ce matin-là. Il entre dans la chambre de Louis XVI et lui dit « Sire, voilà ce qui vient de se passer. La Bastille est prise. » « Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. » « Mais pourquoi ont-ils fait cela ?» Louis XVI n'en croit pas ses oreilles, mais dit-il, mais... C'est une révolte. Mais c'est une révolte, alors. Ah non, sire, dit Liancourt. Sire, ce n'est pas une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Voilà un homme qui a la conscience des choses et qui vit pleinement les événements.
C'est effectivement tellement symbolique que ce soit cet homme-là qui ait eu cette parole. C'est-à-dire, elle est symbolique de l'incompréhension de l'ancienne France et de son souverain Louis XVI de ce qui était en train de se passer, mais elle est aussi symbolique d'un certain nombre de gens qui, autour de la royauté, savaient qu'il était absolument nécessaire qu'on ait une évolution très forte, parce que sinon, on allait vers une révolution. Les périodes troubles engendrées par la Révolution vont contraindre le duc de La Rochefoucauld-Liancourt à quitter la France. Et il va profiter justement de cet exil pour se familiariser aussi avec les États-Unis. Et il va se nourrir de ce qu'il voit aux États-Unis. Et lorsqu'il rentre en France, il rentre dès la période de l'Empire, c'est avec l'idée d'améliorer autant que faire se peut la condition des pauvres gens. Ce sera une des obsessions de cet homme né dans la richesse et dans la gloire. Malgré l'ambition philanthropique de ses fondateurs, la Caisse d'épargne peine à recueillir l'engouement des déposants. La population fait preuve d'une véritable défiance à son sujet. La première Caisse d'épargne, 1818, créée, au départ, il faut bien le dire, succès extrêmement relatif. Non, on peut même dire carrément c'est un échec. On pensait avoir une collecte beaucoup plus forte. Le peuple est réticent à déposer de la monnaie trébuchante contre un modeste reçu papier. Il n'a pas confiance, quoi. Il y a vraiment un manque de confiance à l'égard de cette institution. Et puis en plus, il n'y a aucune culture financière. Afin d'encourager leur système d'épargne, les deux créateurs vont imaginer une des premières campagnes de communication de l'histoire moderne. Tous les moyens sont mis en œuvre. On va être dans une logique déjà moderne, en disant comment on peut essayer de convaincre les gens. Alors, convaincre les gens, eh bien, c'est faire de la publicité, ni plus ni moins, la publicité de l'époque. On commence à avoir des gens, des colporteurs qui vont passer dans les rues de Paris en disant « Voilà, pourquoi vous devez mettre chez nous ? Vous allez voir, c'est beaucoup plus sûr que de conserver l'argent chez vous. » Au colportage s'ajoute la distribution d'estampes. Les créateurs cherchent à toucher une fange de la population généralement illettrée. Une démarche pour laquelle l'imagerie d'Épinal à caractère pédagogique est le support idéal. Aujourd'hui, nous vivons au milieu des photos, des images, des écrans de toutes sortes, donc l'image n'a quasiment plus aucune valeur. Il fut un temps où les tableaux, où les gravures, où les vignettes étaient rares. Et donc, cette première vague de publicité en faveur de l'épargne populaire va avoir une véritable influence. 10 ans plus tard, grâce aux campagnes assidues auprès de l'opinion, l'épargne populaire s'est largement démocratisée. Au bas de l'Aisne se substituent désormais les dépôts aux guichets des caisses d'épargne. Tout le monde veut posséder son livret. Ce succès populaire est à mettre au crédit des plus humbles travailleurs, mais il est dû également à l'émergence d'une nouvelle classe sociale d'épargnants. N'oubliez pas que nous sommes à la naissance d'une grande notion qui est la notion de classe moyenne. C'en est fini des grands aristocrates, des très grands banquiers et de l'immense quantité de petits paysans et de petits ouvriers. Ce ne sont ni les très riches ni les très pauvres qui sont intéressés en vérité par la caisse d'épargne. Ce sont tous ceux qui sont entre les deux, qui veulent mettre un peu d'argent de côté, qui veulent pouvoir transmettre un petit pécule à leurs héritiers ou qui tout simplement pensent à la retraite, à une époque où les pensions sont très faibles. Benjamin de Lesserre peut savourer sa réussite. Seul ombre au tableau, François de La Rochefoucauld-Liancourt n'est plus de ce monde pour partager avec lui le même bonheur. Cette époque qui voit l'argent et l'usure s'imposer comme valeur fondamentale de la société suscite de nombreuses controverses parmi les intellectuels. Les esprits les plus brillants vont s'affronter sur ce sujet tout au long du 19e siècle. Finalement, il y a un partage entre les zélateurs du livret et les contempteurs du livret. Avoir un livret, c'est bien, c'est un signe d'intégration. Et de l'autre côté, avoir un livret, c'est le basculement vers l'égoïsme, vers la cupidité, vers le fétichisme de l'argent. Théophile Gautier est particulièrement virulent lorsqu'il écrit «
les rats mettent à la caisse d'épargne, ce qui annonce évidemment la fin du monde. Balzac, lui, voit dans l'institution un facteur de démoralisation du peuple et une contribution au vol et au vice. Balzac accuse certaines domestiques de voler leurs employeurs pour placer leur argent à la caisse d'épargne. Ces domestiques devenues riches vont épouser des jeunes hommes. Donc il y a vraiment aussi l'idée de transgression finalement sociale par les caisses d'épargne. La caisse d'épargne serait la source de tous les vices. À l'inverse, Zola, Flaubert et Lamartine se révèlent d'ardents défenseurs de la prévoyance et de l'épargne. Donc ils voient bien, eux, que même s'il n'y a pas de remède miracle pour éliminer la pauvreté, la caisse d'épargne fait partie quand même de ces institutions qui permettent aux gens les moins fortunés d'affronter les temps difficiles. Épargner, c'est évidemment, c'est la fameuse fable de la cigale et de la fourmi. Effectivement, c'est pour éviter que les cigales un jour ne se retrouvent nues en plein hiver. Puis c'est au tour des caricaturistes de s'emparer du sujet. La fourmi venant déposer ses économies est la lithographie la plus célèbre de Daumier. Cependant, l'ouverture d'un livret reste inaccessible pour certains. Autorisée à partir de 1 franc, la somme est trop importante pour un enfant désirant épargner. En 1834, au Mans, il y a un instituteur, François Dulac. Toutes les semaines, il va recueillir sou par sou. Et quand chacun de ses élèves aura atteint la somme de 1 franc, il va aller avec eux ouvrir un livret de caisse d'épargne. C'est vraiment les petits ruisseaux font les grandes rivières. L'instituteur tient un registre dans sa classe où il note jour après jour l'argent qui est déposé par ses élèves. Une fois atteinte la somme de 1 franc, un livret est ouvert au nom du jeune déposant. Le mouvement des caisses d'épargne scolaire est né. L'initiative de François Dulac séduira plus de 8000 établissements en France. Ça, c'est ce qui s'appelle de la publicité populaire et c'est ce qui s'appelle surtout avoir gagné sur le fond, sur l'idée. C'est-à-dire que l'école s'est emparée de l'idée d'épargne, de laisser peut-être heureux. Rançon du succès, en 1836, la Caisse d'épargne voit son nom associé à un vaudeville en 3 actes. Désormais, sur toutes les lèvres, on fredonne cette ritournelle. Oui, mes amis, c'est une belle chose. Chacun de nous s'y trouve intéressé. C'est de l'argent que là-bas on dépose. Mais Dieu merci, tout balancé. C'est de l'argent toujours bien placé. C'est de l'argent toujours bien placé. Car plus on a d'ordre et d'économie, plus dans cette caisse on voit croître en valeur. Prospérité, richesse, bonheur. C'est du repos au déclin de sa vie. C'est du repos au déclin de sa vie. À cette caisse, il faut donc faire honneur. Personnage emblématique d'une époque faste, Agathon Prévost. Unique salarié à la création de l'institution, il en est devenu 25 ans plus tard le directeur général. Aujourd'hui, il règne sur 13 succursales qui gèrent près de 150 000 livrets. Hélas, pour Agathon Prévost, les cycles sont immuables. Aux périodes de stabilité succèdent les crises politiques et économiques. En février 1848, c'est le renversement de la monarchie de Juillet et la proclamation donc, de la Deuxième République. Et les déposants des caisses d'épargne, en particulier à Paris, sont vraiment pris de panique. Hein. Ils vont venir en masse retirer leur argent. Ils tirent leur argent. À partir de là, ça met en danger les caisses. Afin d'endiguer l'hémorragie des demandes de remboursement et rassurer les épargnants, le gouvernement provisoire doit faire placarder dans l'urgence un arrêté. Dès la première ligne, le texte affirme le soutien sans faille de l'État pour garantir l'argent des déposants. De tous les biens, le plus sacré est l'épargne du pauvre. Hein.
Et l'histoire se répète entre 1870 et 1871. Le siège de Paris par l'armée prussienne, suivi de l'insurrection de la Commune, provoque de nouveau la panique des épargnants. Paradoxalement, cette résistance face au retrait massif des déposants va contribuer à pérenniser l'institution. L'époque redevenue prospère, une loi va bouleverser la pratique des épargnantes. Cette loi du 6 avril 1881 est importante parce qu'elle autorise officiellement les femmes à déposer et à venir surtout retirer librement leurs dépôts à la caisse d'épargne. Les femmes vont pouvoir bénéficier finalement d'un accès direct à un argent, à la possibilité de le gérer comme bon leur semble, alors qu'effectivement avant il fallait toujours l'autorisation du mari. C'est-à-dire dans la caisse d'épargne, oui, il y a cette idée que au fond la société derrière elle bouge et que la vie de l'épargne, elle est en même temps complètement en phase, et je le dis, et répétons-le, peut-être même en avance sur les grands mouvements de la société. Un changement d'époque s'ouvre pour la gente masculine. Cette liberté nouvelle faite à la femme mariée Blanche va inspirer un auteur dramatique Blanche dans une pièce intitulée « Le livret de Madame Ciboule ». Madame, que signifie ce livret ? Ce livret ? Il signifie, monsieur, que vous passez toutes vos nuits à perdre au jeu votre argent, votre santé et votre honneur. Et que vous m'avez obligé, bien malgré moi, de vous tromper. Oh ! Ainsi vous l'avouez ! Je ne l'avoue pas, je le proclame avec fierté. Une fierté telle que cette divertissante allusion sera jouée avec succès dans les congrès des caisses d'épargne régionales. Blanche, pardon. Je ne jouerai plus. Tu me le promets ? Je te le jure. Et quel gage m'en donnes-tu ? Je te rends ton livret. Tu pourras retirer seul. Cette première étape de l'émancipation des femmes marque une nouvelle ère pour la société et les caisses d'épargne. Nous sommes au tournant du siècle. D'illustres inconnus immortalisent avec un moyen révolutionnaire la sortie des usines. Le cinéma vient de naître par l'entremise des frères Lumière, futurs administrateurs de la Caisse d'épargne de Lyon. Symbole de l'avènement de l'ère industrielle, le train entre en gare de La Ciotat. Une révolution industrielle qui accroît également les inégalités. À la Belle Époque, la misère s'accroît et d'autant plus qu'il y a eu ce qu'on appelle l'exode rural. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ceux qui étaient paysans et qui se nourrissaient sur la terre sont devenus des ouvriers et qui n'ont plus de quoi se nourrir. Elles vont utiliser, les caisses d'épargne, une partie de leur fortune personnelle dans la création des jardins ouvriers hein, qui sont initiés par l'abbé Lemire à partir de 1896. Une parcelle de jardin à cultiver, voilà ce qui est alloué à bon nombre de déracinés ayant de maigres moyens de subsistance. Les caisses d'épargne leur apportent un complément de ressources indispensables. Avec les jardins ouvriers, les bains-douches restent le symbole de l'engagement des caisses envers les plus démunis. L'hygiène pour tous est entrée dans les mœurs. En 1894, la Société des habitations salubres et à bon marché de Marseille est créée par Eugène Rostand, président de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône. Monsieur le Président, à vous l'honneur. Messieurs, 10 maisons ouvrières, une bibliothèque, à la réussite de ce programme. Eugène Rostand vient de lancer un programme social qui fera date, la construction d'habitations ancêtres de nos HLM. Eugène Rostand va être le premier finalement à proposer que la fortune personnelle des caisses d'épargne puisse financer le logement social et le logement ouvrier. Ce sont véritablement des expérimentations d'économie sociale qui sont là, lancées et qui à cet égard sont très très novatrices. Forte de cet héritage historique, les caisses d'épargne vont devenir un acteur majeur de l'habitat social. Actuellement, le parc immobilier est estimé à plus de 150 000 logements sociaux.
Au XXe siècle, en dépit des différents soubresauts de l'histoire, l'aventure de l'épargne populaire continue. Au début des années 50, un écureuil entre dans la postérité en devenant l'emblème de l'établissement. Vers la fin des Trente Glorieuses, le livret reçoit une forme de consécration. Sa popularité inspire Michel Audiard dans des dialogues devenus cultes. Je viens t'empêcher de faire une connerie. Je gagne 4000 francs par mois. J'ai un livret de caisse d'épargne, une carte bleue, 50% de réduction sur les chemins de fer, bref, ce qu'on appelle un parti. Pas d'attendrissement, pas de larmes. Tu souris et tu dis oui. Non. Signe d'une démocratisation jamais démentie, aujourd'hui on dépose ses économies chez l'écureuil. Une telle métonymie n'a pas d'équivalent dans le monde de l'épargne française. Les idées révolutionnaires d'un temps deviennent ensuite les choses habituelles auxquelles les gens participent sans même penser que ça a une origine. C'est vrai que quand, enfant, je voyais la caisse d'épargne, pour moi, c'était une institution qui datait peut-être qu'il y avait 1000 ans, qui avait toujours été là. La grande majorité de la population, hein, aussi modeste soit-elle, a un livret de caisse d'épargne, un livret A, un compte chèque, un compte courant. Et la caisse d'épargne, là, a réussi cette démocratisation financière. C'est devenu une institution populaire. Tout le monde, y compris les enfants, chacun a son petit livret. On dépose un peu d'argent au moment des anniversaires, ça fait partie presque des fêtes familiales. La caisse d'épargne, l'écureuil font partie de la vie de tout un chacun. C'est devenu le quotidien des Français. Vous imaginez si de Lesserre et La Rochefoucauld avaient pu voir le succès phénoménal de la caisse d'épargne. Depuis 1818, la caisse d'épargne est une grande idée qui évolue encore. Oui, assurément, le banquier du 21e siècle, c'est lui. Ou plutôt, les banquiers du 21e siècle, ce sont eux.